L'église, mon Dieu bénit. Ou même par suivre nous à travers la voie de l'évangile. Pas oublier, nous avons l'Assemblée de Jésus-Christ, vision d'une réforme, dans Delma 6, numéro 57. Vous avez rien pour tenter, il y a un docteur à l'Assemblée, qui est pasteur Alice Timothée, qui va parler ensemble avec vous sur le côté de la prêté pendant Anissa. J'en ai déjà entendu déjà, vous savez mes témoins. Et nous sommes dans Acte 1, verset 8. Avec nous, le docteur Ali Timothée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et internautes, écoutez-nous à travers les ondes de la radio La Voix de l'Évangile, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Ou même qui sentez-vous reconnaissant d'être que vous touchez par la grâce de Dieu, nous avons apprécié côté où il est dans la salle là et côté où vous nous derrière appareil radio, on va lever mais on l'air ensemble avec nous, on nous dit merci Seigneur. Merci, on nous dit merci Seigneur. Merci, on nous dit merci Jésus. Merci, Jésus. À Soya, on a besoin de lecture dans Hébreux chapitre 11, on a lu à partir du verset 32 et on a fini dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. Hébreux chapitre 11, n'a lit à partir du verset 32, et n'a arrivé dans Hébreux chapitre 12, n'a fini dans le deuxième verset. Vous y êtes? Vous y êtes? Et que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes? Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ventres de la terre, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, et en les regardant sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. L'Église, bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni, à soya. Amen. Même Jean, et en fin de serviteur, on est à tout ça. Et nous, dans le cadre du 7e anniversaire au mouvement évangélisation d'une réforme, côté que nous avons prêché thème ça de conférence nous, que nous tirons dans Acte 1er, verset 8, vous serez mes témoins. Nous avons rappelé nous bien, dans 5 jours qui nous sont passés déjà, nous t'aurons en pile bagaille sous tête ça, côté que vous t'ai parlé ensemble avec nous, eh bien, de qui ça veut dire, là, vous dites, vous êtes un témoin, vous t'aurons ensemble avec nous, qui caractéristique qui ont témoigné, vous t'aurons ensemble avec nous, la nécessité du
témoignage et ils étaient avec nous que la mort de Jésus c'était un assassinat. Et ils étaient ensemble avec nous tous le complot meurtrier contre le Fils de Dieu. Après l'idée, c'est avec un pile plaisir, c'est avec un pile honneur que nous allons essayer en peu de mots pour nous présenter l'arrestation et les souffrances du Christ et les témoins d'autrefois. L'Église mondiale de Dieu a souhaité. Nous souhaitons que dans le moment que nous allons passer ensemble, par canal, moi, par organe, moi, le Saint-Esprit va bénir abondamment dans la parole. Gloire à Dieu. La lecture que nous sommes faits à travers Hébreu chapitre 12, les versets 1er et 2, je souhaite parler nous là, apôtre là, t'as parlé, il dit que, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, reçons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Laissez-moi faire connaître, eh bien, même Jean, et nous te dit où ça, moi-même ensemble avec vous, le Seigneur, relève-nous comme étant des témoins. Laissez-moi faire une déclaration, il te dit, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, et les paroles ça, très certainement qu'il t'a adressé à Capodio, il t'a adressé tout avec moi-même avec vous, parce que, il te dit, monsieur, comme ça, allez, faites de toutes les nations des disciples. Laissez-moi dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire que, même si on te dit, monsieur, vous serez mes témoins, et bien, mon saïo que t'as pas le choisi, vous faites de vous-même. Des disciples, moun sa yo ke apote nan pral prêcher pour que moun sa yo te kapab vin disciple de Christ aussi, et bien moun sa yo automatiquement y a tout nan tout des témoins pour le Christ. Et bien, nous sommes ça, le Seigneur a parlé avec nous, l'histoire nous connaît, les que n'a témoigné de lui-même, les que nous vînons mettre la croix nous allons pour nous servir comme témoin pour lui, et bien qu'il y a un bagage pour nous faire. Même Jean nous a dit ça dernièrement, témoignage que moi-même avec vous, pour nous rendre pour mettre là, ce n'est pas seulement un témoignage qui est dans la belle parole, et c'est l'église ensemble avec moi, ce n'est pas seulement un témoignage qui est dans le prêché, ce n'est pas seulement un témoignage qui est dans l'écrit pour livre, mais c'est un témoignage d'abord qui était dans la vie, d'abord qui était dans le comportement, moi-même ensemble avec vous. Il y a un pile auteur qui parlait dans son sens, qui dit, action yo, yo témoigne plus bien que telle parole, moi-même avec vous, nous capables de dire. À savoir, moi-même avec vous, là, nous sommes en partie au monde pour nous dire que Jésus bon, la vie nous, c'est la vie, on chrétien, il est tout le monde vrai, ça capable de faire un plus gros témoignage, que si ça campait pour nous faire deux exemples à faire un discours pour nous entendre. Est-ce que le visage ensemble avec moi? Donc, nous sommes ça, moi-même ensemble avec vous, même si on nous dit ça, témoignage que nous avons là, nous sommes capables de dire, c'est attesté, n'a pas testé, non seulement avec des discours nous, mais aussi avec notre comportement, n'a attesté que Jésus s'est sauvé nous par tous les yeux. C'est le ensemble avec moi, après dire. Et non seulement on a attesté que Jésus s'est sauvé l'humanité liée, on a fait connaître, et bien Jésus ça, pour être capable de délivrer mon même avec vous, lui t'a accepté de dire à sa fidèle, lui t'a accepté de clouer sous l'emploi, lui t'a accepté de faire complot sous lui, pour que mon même avec vous, nous soyons capables de libérer. Et même j'en ai tout ça, tout le monde qui a suivi parole, tout le monde qui a suivi comportement, il est capable de voir réellement si Jésus est bon pour nous recevoir dans la vie, ou bien tout ce bagage sale n'est pas important. Là où on a regardé la vie, il rend compte que tout le monde est vrai. S'il connaît son monde qui est contre voir, s'il connaît son monde qui est contre mal, c'est remplir bien ça. S'il connaît, ou qu'il y a tout son monde, il connaît. Et bien, là où on a regardé la vie, lui est la vie transformée, lui est la vie restaurée. Et bien, on a apprendre compte tout le monde est. Et bien, ça, ben, Jésus, ça, c'est un bagage qui est important pour moi de recevoir dans la vie. Mais, malheureusement, si vous n'avez pas gardé dans la vie, l'action va mener différent de paroles qui ont une portée balia, eh bien, vous ça, la vie a fait Jésus, ça y a pour mettre la croix dans l'IA, c'est pas un bagage qui est important, donc qui te m'a répondu, qui te vive la vie, j'en connais. Est-ce que l'église a ensemble avec moi? D'après ça, nous jouons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1er jusqu'au 3e verset. Apôtre Paul a parlé avec les frères de Corinthe, l'a dit comme ça, l'évangile qui a annoncé noir, c'est que Jésus petit pour Dieu, il a été tout à cause péché moi-même avec vous. À savoir, le Seigneur Jésus,
même avec vous, nous sommes capables de libérer en bas. En bas. Dans ce sens-là, moi, je comprends que témoignage que moi-même avec vous, nous avons rendu là, eh bien, son témoignage qui basé sur le changement de vie. Témoignage que moi-même avec vous, nous avons rendu là, moi, je comprends son témoignage qui basé, eh bien, sur un vol de passe. Est-ce que l'entre avec moi? Est-ce que l'église a l'entre avec moi, toi? Dans ce sens-là, eh bien, moi-même avec vous, témoignage ça ne va pas capable de bailler seulement la belle parole. Parce que j'en prie pour gros monsieur philosophe que c'est venu déjà, depuis avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, quand pile l'église sur la terre, ben, en pile belle parole, mais pile belle parole, mon saïe, on va suffire pour transformer la vie, on va suffire pour régénérer vous. Mais, alléluia, la parole qui a transformé le monde depuis environ 2000 ans, oh, c'est la parole de l'évangile, c'est la prédication de la croix, à savoir, Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié à cause de nos paix, de nos péchés. Dans ce sens-là, moi, je vais comprendre que témoignage que moi-même avec vous, nous avons pour bail là, sont témoignages qui permettent que le monde arrive transformer jusqu'au plus profond de son être. L'ennemi, mon arrive transformer jusqu'au plus profond de son être. L'âme tombe directement dans Ephésiens chapitre 4, verset 23. Quand il y a votre bon parlé, lui dit la tête qu'elle nous ça. Si tout le monde veut nous descendre de parler de Jésus-Christ, eh bien, il est après nous pour nous transformer, pour nous renouveler dans l'intelligence. Ça veut dire que moi-même ensemble avec vous, tout autant, la vie nous pas prouvé que nous subissons le renouvellement de l'intelligence, eh bien nous pas prêts, nous pas en mesure pour nous bailler un témoignage qui concret le petit bon Dieu. Est-ce que même j'aime tout ça, en pilotaire dit ça, parole yo parle plus bien, et excusez-moi, action yo parle plus bien que belle parole yo. Ça veut dire moi-même avec vous, ou même que le Seigneur aimé, lui dit vous serez mes témoins, eh bien c'est pour arranger vous. Même dans ce fil-là, lui dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout pardon et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. L'homme était sous texte, nous devons comprendre que nous autres chrétiens, que le Seigneur aimé pour servir de témoins, témoignage souvent pour un paquet de bagages qui sont là-bas en parallèle. C'est l'église à l'ensemble avec ma soeur. Témoignage souvent pour un paquet de bagages qui sont là-bas en parallèle. C'est ça que c'est lui qui a dit. Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Lundi, rejetons donc tout fardeau. Moi, je comprends pour un paquet de bagages qui sont là-bas en posant témoigner pour Christ là. Et on a fait familier à travers les évangiles. Qui est au nom de Terre les Matthieu. Le Seigneur Terre les Matthieu. L'idée dit Matthieu, viens suivre moi. Le Père Terre les Matthieu, viens suivre lui. Et bien, Matthieu. Trouver nos situations, qu'on ait des caisses là, empêcher le suivre maintenant, Mathieu levé, les quittes caisses là, le suivre maintenant. Le fils de Dieu m'a dit à soi, ou même qui disposait, pour servir comme étant un témoin fidèle pour le Seigneur, quel que soit bagaille, tu présentes sous route comme étant un pardon, quel que soit bagaille, tu présentes sous route comme étant un handicap, c'est mettre de côté. Parce que le fils de Dieu m'a dit c'est mettre de côté pour capable de témoigner. L'œuvre du Christ. Parce que c'est ça le bon, moi-même avec vous, pour nous faire pour lui. Nous sommes ça, puisque nous avons ces constats témoignages là, puisque nous avons ces témoignages là, c'est pour bagage utilisé, l'important pour moi, je dis, pour que nous fassions rappel pour vous, et bien témoignage au calvaire sous Christ là, comment ça s'est passé, spécialement les dernières heures de la vie de notre Seigneur, l'important pour nous faire bref, si pas. On s'y rappelle, pour nous passer sous lit, pour capable bien, pour capable bien comprendre ça, et on passe en l'autre camp pour témoigner, même j'avais un peu de temps dit ça, pour nous connaître, c'est pas bagaille fabuleux, on va venir raconter, même c'est des bagailles concrets, c'est des bagailles réelles, parce que même j'aime tout ça, quand il y a un monde qui finit déjà qu'à pas une belle parole, mais belle parole ne pas suffit pour changer volet, pour faire donner les deux biens. Belle parole, on dit que nous avons pas suffi, pour faire une communication, une communication. Oh, alléluia, mais le Seigneur Jésus, depuis environ 2000 ans, l'évangile sous la tête. En plus, le monde l'a restauré. Mais qui se prend dans le monde. Mais qui ne peut pas quitter ma dans le repos. Monde qui ne peut pas quitter ma dans le repos. Depuis le croix avec parole, ça. Depuis le croix avec tous. Eh bien, de changer, de restaurer. Apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 18 et 19, il dit, non, mais nous comprenons ça bien. Belle manière de vivre. Que nous avons hérité de nos pères, eh bien, nous avons été délivrés de cette belle manière de vivre, non pas
par les choses périssables de cette terre, mais par le précieux sang du Fils de Dieu. Les amis qui ont parlé comme ça, eh bien, ils me font comprendre que moi-même, avec vous qui relevez comme témoin, moi-même, avec vous qui recevez la délivrance face au péché, pour bagage ça été réalisé, il a fallu que le Fils de Dieu ait mouru. Il a fallu que le Fils de Dieu ait maltraité. Il a fallu que le Fils de Dieu ait descendu, bien que Dieu, mais pour être venu participer dans notre humanité. D'après ça, nous, ouais, malheureusement, pas bien sûr que l'étude là pour vous, mais la caille ou capable de lire, dans Jean chapitre 19, le navet est retracé parcours dernière heure que l'on a vécu pendant qu'on est sur la terre. Eh bien, la parole de Dieu fait nous connaître. Le Seigneur est arrivé dans un moment, côté que dans Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 46, il trouvait une situation difficile. Côté que, mais ça, qui s'est passé en pile temps, il a chassé des mots. Mais ça, qui était très puissant, voilà le cas, nous a capable de dire, au soir de sa vie, il est arrivé dans un moment côté qu'elle sentit la faiblesse. Côté que, nous capables d'essayer de peindre ça dans la déclaration que le fait. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il m'est arrivé dans une situation où il a dit, monsieur, regardez, restez là, essayez de veiller avec, restez là, essayez de mener un combat avec, restez là, essayez de prier avec, parce que le bagage qui pourrait passer là, oh, alléluia, maintenant trouver une situation où il est capable de l'humanité à prendre le dessus sous la ville, parce que lui vient mener un combat pour nous, il a fallu que le témoignage soit mettant un vrai homme. C'est le plus avancement avec moi. Ça veut dire que certainement il a été fils de Dieu. Mais pour combat, le combat de la délivrance, le combat de la libération, même si j'ai fait quand elle a ta cousa hier, Christ a paru afin de détruire les chefs du diable. Pour t'aimer le combat là, il n'est pas que seulement fils de Dieu. Mais il a pas dit que tu es un frère. Oh, alléluia, quand ça fait venir à parler, il dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une voie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que l'on ensemble avec moi? Et on dit non, il a paru comme un vrai homme. Eh bien, Seigneur s'est trouvé dans une situation côté que l'humanité prend le dessus. Est-ce que l'on ensemble avec moi? Côté que la faiblesse humaine a traversé. Côté que sa vie, Seigneur a prié, le petit papa. Oh, alléluia. Comment, amen, amen, amen. Si ça, c'est qu'à faire. Si ça, c'est capable de réaliser. Mande ton prix. Éloignez-vous des souffrances ça devant. Éloignez-vous des souffrances ça devant. Amen. Alléluia. Ça rappelait parole-là qui dit dans Hébreux chapitre 10. Mais le Fils de Dieu entrant dans le monde dit, Père, tu n'as voulu et tu n'avais ni sacrifice, ni holocauste pour le péché. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre, la question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Et bien même Jean, dans le jardin, il dit, mais toutefois, ce n'est pas ça que vous voulez à vous faire, c'est volonté au Dieu vous faire. Oh, alléluia! Et ça lui a dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes capables de réaliser, nous sommes capables de comprendre, même je sais qu'il y a un chant de ça. Si ce n'est pas pour nous, ça, il y a les Jésus. C'est pour toujours, moi-même, à coup, t'as perdu. C'est pour toujours, moi-même, à coup, t'as compris nos péchés. C'est pour toujours, moi-même, à coup, nous t'as fait scolaire. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui était d'accord, qui t'a accepté, oh, alléluia, pour te plonger dans la faiblesse humaine, pour t'accepter de te soulever, pour être capable d'aller la ville, pour moi-même, avec vous, pour être capable de jouer. Le Seigneur s'est trouvé en agonie. Côté que dans le jardin, et comme si Mbadou lit entre le temps et l'éternité. C'est l'hôpital ensemble avec ma soeur. Lit trouvé entre le temps et l'éternité. Côté que la fille, papa, si ça c'est capable de faire, tant pis, retirez le côté sous le sein de votre Dieu. Et c'est comme ça, eh bien, il dit, c'est volonté par où vous faites. Et d'après toute lecture nous fait, nous avons bien ça dans Luc 22 et Luc 23, eh bien le Seigneur est d'accord. Les livres étaient pliés. Monsieur Ovini, ils ont arrêté. Est-ce que nous allons ensemble avec moi? Ils ont arrêté. Ils ont fait le fond Tolalito. Ils ont fait le fond Alérini. Regardez, j'en ai le passé, ils mettent mes souliers. Est-ce que nous allons ensemble avec moi? Ils ont jugé ça m'a suffi. Ils ont dit on a le cas et Pilate. Ils ont mené l'ensemble de l'air à l'évent Pilate. Le Pilate va aller à la marée.
Est-ce que l'on est avec moi? Parce que nous passons savoir que dans Matthieu chapitre 23,
le Seigneur t'a délivré tout pharisien, il t'a dénoncé tout mauvais abus que tu as fait, il t'a dénoncé tout bagage chef religieux que tu as fait, tu vas droit. Eh bien, le village dit, voici l'homme, plusieurs ont été là. Et chaque monde, les regardez comme ça. L'homme qui a quoi le pique en notre tête, l'homme qui a quoi la douille sous l'IA. Chaque monde t'a regardé la réunion cieux. Mais au moment même que quel monde qui t'a gardé comme étant un monde fou, au moment même que quel monde qui t'a gardé comme étant un monde capable de mentir, on dit beaucoup qui te voit dans l'homme ça, un prophète de Dieu, on dit beaucoup qui te voit dans l'homme ça, un juste, on dit beaucoup qui te voit dans l'homme ça, le Fils de Dieu. Et si nous t'avons essayé, passer dans l'autre dimension, côté que les filles ont dit voici l'homme, pour nous aider à entrer nos portées théologiques, nous sommes capables de dire, les filles ont dit voici l'homme, c'est une façon spéciale, une façon symbolique pour te prophétiser, pour faire connaître effectivement que l'homme sale présenté là, il est un roi. C'est le visage en soi de toi. On nous dit alléluia. Dans mon comprendre bien, là d'où il s'agit, le plus souvent c'est roi, c'est qu'on a même été roi. C'est vrai. Mon Dieu, il a théorisé, mais là, c'est vrai, mon Dieu, il a dépassé roi noir en permission. Mais, effectivement, il est un roi. Le même qui a été campé, vous êtes déclaré les hommes Pilate. Le Pilate se dit, es-tu le roi des Juifs? Le Seigneur se dit, est-ce que c'est utile ou bien c'est Dieu tout ça, des moines? Il a dit, oh, ça me fait comme ça. Est-ce que je suis mon égosse? La même chose avec vous. C'est vous, nous, aujourd'hui, vous, pas moi. C'est là. C'est l'âme dans mon roi, c'est Pilate, pas innocent. C'est le bizarre là, hein? Amen. Il a dit, regardez, c'est mon nous qui gros dans moi. Et puis tout, le Seigneur était lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Oui, mon royaume était de ce monde. Oh, alléluia. Mes serviteurs auraient combattu afin que je sois point livré en profondeur. Il a dit, eh bien, dans condition ça, vous savez, la même chose avec vous. Et même j'aime tout ça. En réalité, c'est royauté tout bon. Amen. Mais, question qu'on a fait pour nous t'a essayé de poser. Nous avons dit pour qui ça, toute opposition ça. Pour qui ça, tout à l'empile ça. Pour qui ça, il y a un homme qui passait tout le temps à libérer le monde. Il y a un homme qui passait tout le temps à aider le monde. Pour qui ça même, côté que vous présentez le devant pour là. Même foule, les attendrait à Jérusalem. Qui t'a dit, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, c'est même pour ça, plus tard, tu pourras le dire, clouer sur un croix, retirer non ça dans le tonneau. Le fils de Dieu béni à soi. Le fils de Dieu béni à soi. C'est ça fait, ou même que vous êtes comme témoin. Vous craignez pour un bagage pour ça va arriver. Vous craignez pour que les persécutions arrivent, vous ne pouvez pas dire, oh moi-même pas de chambre chrétien, moi-même pas de chambre dans l'affaire de l'évangile ça. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Parce que moi je vous foule ça, quelques années avant, les Jésus étaient montés à Jérusalem. J'étais content. C'est eux-mêmes qui t'ont fini à brancher la mot. C'est eux-mêmes qui t'ont venu avec l'idée là, à couvrir la terre pour le passé. Que Dieu dit, mais on va nous en cap fini. Oui, très certainement. J'étais peut-être fini par vous manger. J'étais espéré que la vie prend le gouvernement pour être capable de continuer par vous manger. Mais là, c'est pas comme ça, ça a passé. Je dis, ça me dépasse, c'est pas ça. Et c'est ça que fait, en plus le monde, je vais laïr. En plus le monde, je vais parler, ouais. Et bien, même j'aime tout ça. Est-ce que Christ là, Jean pris le monde te prendre, est-ce que c'est ton acquis de fou? Est-ce que c'est ton acquis de rêveur? Non, loin de là. Loin de là. Parce que, est-ce que c'est un blasphème atelier? Non, il n'y a pas ça non plus. Au contraire, d'après ça, eh bien, il y a écrit pour nous dans Jean chapitre 14, les versets 1er jusqu'au verset 6, il est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si c'est lui-même qui chemin, hein? Si c'est lui-même qui veut le Père, c'est lui-même qui l'a bien, très certainement, nomme ça, il va y avoir blasphème. Très certainement, nomme ça, il va y avoir un imposteur. Très certainement, nomme ça, il va y avoir un monde fou. Est-ce que l'église là? Est-ce que l'église là, ensemble avec moi? Mais, qui est-ce lui-même? Laisse-nous regarder dans le témoignage que l'apôtre Pierre Bain, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 19 à 26, nous ne comprenons que, non, ça, il était le prophète dont a parlé Moïse. Le Moïse a parlé dans le Théonome, chapitre 18, quand il était dit, le Seigneur, que vous le voyez en prophète dans nous, comme moi. L'Église, bon Dieu, bénis-moi, soyez. Le Seigneur, que vous le voyez en prophète dans nous, comme moi. C'est-à-dire, un prophète comme Moïse.
Moïse, un prophète qui sera aussi libérateur. Même Jean-Moïse qui a délivré le peuple d'Israël en esclavage, eh bien, il y a un deuxième prophète qui était pour venir. Il a libéré mon abat esclavage, l'esclavage du péché. Et d'après ça, nous jeunes de Matthieu chapitre 16, le verset 16, apôtre Pierre quand même vous le dit, et Jésus te posait une question, vous lui dites, monsieur, qui est-ce le premier de toi? Et nous-mêmes, qui est-ce nous connaît moyen? Et la parole de Dieu dit nous, apôtre Pierre, recevoyons un rayon. Oh, alléluia! Les compères gars de Christ. Alléluia. Il dit, où c'est Christ là? Où c'est Messia? Alléluia. Où c'est petit péché? C'est pour faire la science à vous. Ça veut dire, moi-même avec vous, je suis là à suivre là. Très certainement, la fille a fait du voici l'homme. Quand il vous dit de prendre comme étant mon fou, quand il vous dit de prendre comme étant un meurtrier, comme étant un imposteur. Mais pour nous autres chrétiens, il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le grand docteur. C'est vrai, quand il vous dit vini, vous faites être passé comme étant un qui compte toute bagarre. Mais si bon monde qui compte toute bagarre, il veut les chiffres. Oh, parole l'a dit, au commencement était la parole, le Logos. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oh, alléluia. Donc, nous sommes ça. Oui, nous comprenons que c'est vrai, en plein monde, de prendre Jésus-Christ par son pays. Mais, ou même, vous devez connaître que Christ, je t'ai présenté là, l'air était dit, voici l'homme. Eh bien, c'est roi, on l'a été présenté. C'est le plus dans l'ensemble avec moi. Si vous d'accord que Jésus, c'est roi, on va l'enflammer en soi. Gloire à Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Même je nous dis tout ça, pour nous-mêmes, les affaires, comprendre, les pilates présentés maintenant, on lui dit, voici l'homme. Si l'on peut prendre une pensée théologique, d'après ça nous vient dans Romains chapitre 5, les versets 19 à 21, nous les comprenons, les filles l'ont dit, mais non. Les filles l'ont dit, là, ça va avec moi. Les filles l'ont dit, mais non. Eh bien, il te présente nous le deuxième Adam, il te présente nous l'homme parfait qui a vécu le péché et qui, du même coup, nous délivre de la mort. Est-ce que nous l'avons avec moi? Ça c'est dans Romains 5, verset 19 à 21, il dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivra en Jésus. Et d'après ça, nous comprenons, dans 1 Corinthiens 15, 22 et 45, et bien ces mêmes paroles pour faire nous connaître que le deuxième Adam, il tournait un esprit vivifiant. Est-ce qu'on l'entend avec moi? Donc ça veut dire, Léonie, voici l'homme, Léonie, mais l'homme non, Léonie, mais l'homme noir, est-ce qu'on l'entend avec moi? Eh bien, nous voyons dans lui-même l'homme parfait, nous voyons dans lui-même le second Adam qui est fini. Et qui condamne le péché, et qui porte victoire sur le péché, et du même coup, qui porte victoire sur la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. L'Église va devenir en soi. Et nous avons voué, et on dit, voici l'homme également, nous avons voué, c'est le roi, même si on dit tout ça, c'est vrai, je te mets de la gloire à la souligne, je te mets pour un petit en tête, c'est vrai, mais c'est une façon symbolique pour être couronné comme étant le roi. C'est lui-même le roi des rois, c'est lui-même le seigneur des seigneurs, c'est lui-même le chef des chefs. Nous avons voué à travers Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, le verset 17 et le verset 18. Eh bien, nous faisons monnaie, effectivement, maintenant, c'était un roi. L'Église m'a dit béni en soi. L'Église m'a dit béni en soi. On nous dit maintenant qu'on a besoin. Jésus, c'est nec moins besoin. Oui, il a fait camper pour te dire voici l'homme. Il a pas saisi toute pensée qui n'est rien dans la déclaration qu'elle te fait. Nous avons compris ça bien. L'Église va devenir, oui. Et au nom de Dieu, Alexandre le Grand, c'est un jeune garçon. Eh bien, à l'époque de la domination perse, monsieur s'est depuis un roi de Macédoine. Les papas, monsieur vient mourir, monsieur vient monter son royaume. Non, monsieur s'est fait en pile pour travail. Côté que monsieur s'est fait en sorte pour que l'idée réunit l'Orient à l'Occident. L'idée. Jusqu'alors, édifier le plus grand empire que le monde ait connu. Alors, à l'époque, nous considérons Dieu comme étant un grand homme. Dans l'histoire de l'humanité, depuis où dit Alexandre, tout le monde voit de qui elle soit parlée. Mais je dis à l'église, je dis à Alexandre. Je dis à l'église, je dis à Alexandre. Maintenant, l'église, je dis à Alexandre. Est-ce qu'elle est levée? Il y a un homme qui était Napoléon Bonaparte.
Non, ça, l'histoire considérée comme étant un grand homme. Pour qui ça? Parce que son ex-démarché fait en pile guerre. Et dans en pile guerre, monsieur Talé, monsieur était souvent victorieux. Il était admiré, monsieur, en pile, pour gêner militaire. Est-ce que vous l'entendez avec moi? Quelques années plus tard, eh bien, il était sacré, monsieur, comme étant l'empereur Napoléon Ier. À savoir, il était mis comme chef, comme étant un grand chef. Mais l'Église, est-ce que vous êtes capable de lever même le type de Napoléon, je veux dire? L'Église de Napoléon? L'Église de Napoléon, hein? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'être sage? Mais, aïe, 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 oh, amen. Ton homme, yo, alléluia, yo, dit qu'on s'en nomme ça. Il a arrêté, il a fait complot. Est-ce qu'on a fait mal avec moi? Là, aïe, 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 la parole de Dieu dit qu'on est, il a fait complot, il a marré, il a arrêté, lui. Oh, alléluia, il a fait complot, il a arrêté, il a marré, il a poussé le miel, il a fait quoi qu'un clou dans la main. Et tout le monde était capable de constater, il était mouru. Les présents sont là, ça m'a fait pas. Après, on finit arrêté. Après, on finit maltraité. Tout le monde est capable de constater les mauvais. D'après Samuel, dans les Écritures, il dit, mon soldat qui est fini pour devenir crasé seul. Est-ce que l'église a là, hein? Mon soldat qui est fini pour devenir crasé seul, il est regardé, il est où Christ est dans vous. Et il est où ça, le piqué pour compris, sans sortir, gros sorti. L'église, moi, je vais venir en soi. Donc, c'est-à-dire, c'est un père qui crève. Il y a des hommes qui attestaient, qui témoignaient que Jésus a été bien mis à mort. Est-ce qu'on entend avec moi? Le Seigneur Jésus a été bien mis à mort. Il était mouru. Il était touillé. Tout le monde était ouais, tout le monde était mouru. Et tout le monde était témoin. Non, ça était mouru, il était enterré. Donc ça veut dire, si il était en supposé, il était mettre la carreau à tout vivant, mes amis, après 3 jours, Paul Tabou, Paul Tabou. Mais le Seigneur présenté dans une vision à l'île de Patmos, à Saint-Denis-de-Champ, il dit, oh alléluia, je suis le premier et le dernier. Voici, j'étais mort, et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. C'est pas même chose avec l'autre monsieur. Alexandre Legros n'est pas capable de faire déclaration ça. Karl Marx n'est pas capable de faire déclaration ça. Aristote n'est pas capable de faire déclaration ça. Seul nous qui a mesure pour faire déclaration ça, il est Jésus de Nazareth. Il dit voici, je suis mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et le dit, non, vous connaissez l'homme sans besoin. Même Jean Pilate, quand même, on a dit voici l'autre. Oui, vous me présentez comme ça. Vous me présentez l'autre, vous me présentez comme ça. Parce que personne ne vous l'envoie. Vous me présentez comme ça. Parce qu'il y a un avant-midi. Vous me présentez comme ça. Parce qu'il y a un avant-midi. Donc, dans ce sens-là, moi-même, ensemble avec vous, il y aurait les noms pour nous témoigner de l'homme ça. L'homme ça qui a été arrêté. L'homme ça qui a été fait gros complot. Et même si nous avons lu ça pour vous dans le livre Matthieu, hein, nous disons que tout gros monsieur était réuni, il était concerté pour que nous devions faire son paruse, pour que nous devions tout Jésus. Est-ce qu'on en avec moi? Et finalement, il était joué une occasion, et bien il n'y a pas raté l'occasion ça, il était tout mettre moi-même ensemble avec moi. C'est ça que fait, moi-même avec vous, je dis, et bien c'est pour nous prêts. Pour nous témoigner, pour nous décrire, même là avec apôtre Paul, apôtre Pierre. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et bien, vous comprenez, pas des personnes qui sont innocentes dans la mort Christ là. Même Pilate qui n'a pas cherché la rébelle, il n'est pas innocent, parce qu'il dit tout ça, Pilate a des pouvoirs pour te libérer, mes gars. Est-ce que vous l'avez avec moi? Pilate a des pouvoirs pour te libérer. De mon propre chef, je décide que cet homme soit libéré. Parce que, en tant qu'on juge, si tout le monde veut pas vouloir acheter du monde, si tout le monde veut vous voulez pas vérité à côté lié, qu'il soit jugé d'être là, d'après toute analyse, d'après tout principe de loi civile à l'époque. C'est le nouvel ensemble avec moi. D'après tout principe de loi civile à l'époque, d'après tout principe procès et pourtant, il a analysé, il fait Jésus innocent. Amen. Mais malgré son innocence, malgré son innocence, personne n'est d'accord. Oh, alléluia! Il n'est pas d'accord pour être pitié. Personne n'est d'accord pour être malchance. Personne n'est d'accord pour être mal passé. Mais, c'est des volontés, mon Dieu, vous ça s'est passé comme ça. Mais même Jean, parce que ça, le monde dit ça, bat chien, hein? La paix, mon Dieu, avec vous, l'église. Alléluia. Donc, dans ce sens-là, le Seigneur
après qu'elle te finit mourir, après qu'elle te finit faire tout complot, qu'elle te finit visible, bien visible, qu'elle te finit toute parole qu'on aime, qu'on aime, le Seigneur mourit et il ressuscite. Et elle va aller, il dit, monsieur, nous pas besoin à battre tête nous pour un tas de bagaille sur la tête. Un bon travail, et puis non, que pral l'être dans la main. C'est que nous autres, nous pral choisir nous, comme étant des hommes qui pral bailler, un témoignage. Nous pral choisir nous, comme étant des hommes qui pral camper, pour faire le monde tendre, yon bagay yon pote choc, pour tendre. Nous pral choisir nous, pour que nous camper en face du monde. Bagay la pas facile, est-ce que l'entend avec moi? Bagay la pas facile, mais monsieur, c'est pour ça que je choisis. Songez bien, la lecture nos pères, ils disent comme ça, en pile témoin ça y est, je témoin, l'église va devenir en soeur. En pile témoin ça y est, je témoin, je t'ai mouru, quand il a été touillé, quand il a été fillé, quand il a été maltraité. Eh bien, d'après ça, nous jouons à travers l'histoire de l'église. Eh bien, à cause de eux, que le Seigneur a été choisi pour témoigner pour lui, monsieur de faire tout ça qui dépend de eux pour être porté témoignage à aller. Monsieur, je fais tout ça qui dépend de vous pour témoigner pour Christ là. Et c'est l'église en ensemble avec moi. Et, dans vous comprenez ça bien, Satan le diable, quel que soit vous, qui campe pour bah, témoignage ça, Satan pas content. Satan va aller ouais, témoignage ça. La preuve, on est bien grande. Oh, alléluia, au premier jour de l'église, quand que nous avons Étienne qui campait comme étant un grand témoin de Jésus-Christ, et qui a campé pour témoigner pour mettre là. Eh bien, il prend Étienne, il a lapidé la coutouche. Ça, c'est un preuve pour montrer nous que rendre témoignage dans un monde pareil, c'est pas un bagage qui va, qui passe. Mais, c'est notre mission. La parole de Dieu fait nous connaître. Les Juifs, eh bien, ils sont tellement pas d'accord avec témoignage ça, ils ont choisi d'arrêter Jacques, ils ont coupé sa vie. L'histoire de l'Église fait nous connaître, ils ont pris l'apôtre Pierre. Il a maltraité, après ça, il a pris le clouer sur la croix. Apôtre Pierre dit, on pas pour nous clouer même j'ai avec les moyens. Non, mais clouer une tête en bas avec référence. Et c'est comme ça. Mais qu'il était trop content pour faire ça. Parce que Sakandayo, c'est l'excès de méchanceté. Sakandayo, c'est malveillance. Sakandayo, c'est rancœur. Il était bien content de faire ça. Pour servir mon Dieu qui va souffrir plus. Et apôtre Paul, il était prêt à apôtre Paul. Je coupe cette prière avec qui on lâche. L'église va nous bénir en soi. Ça veut dire, témoignage, pour bailler pour Christ là, c'est pas un bagage facile. Mais le Seigneur te dit, ne craignez rien. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde. Dans mon compte premier l'église, le Seigneur est là pour témoigner pour lui. Oh, alléluia. N'entends pas. Les encampés pour témoigner pour le Seigneur. Comme plus d'un qui va d'accord avec vous. Les encampés pour témoigner pour le Seigneur. Que pasteur va d'accord avec vous. Les encampés pour témoigner pour le Seigneur. Que ma soleil qui va d'accord avec vous. Les encampés pour témoigner pour le Seigneur. Dans plus de monde qui va d'accord avec vous. Mais on parle de ce décourage. Parce que Seigneur te dit, malgré tout, victoire, il est en bas, mais on déjà. Alléluia. Oh, parole là, que nous connaissons. Apôtre Paul, lui est devant les frères de Philippe, l'a exhorté bien aimé pour leur témoigner témoignage là, l'a exhorté bien aimé pour leur rester dans l'idée de l'évangile là, et lui regardez, non mais nous comptons ça bien, moi-même, nous avons trouvé une opposition, parce que nous avons pris le privilège, nous sommes capables d'accrocher à eux-mêmes. Mais, puisque privilège a été présenté comme des handicaps, puisque privilège a été présenté comme fardeau, sous course moi dans l'évangile. Nous sommes obligés de garder comme l'amour. Alléluia. Nous sommes obligés de mettre de côté pour nous être capable de faire l'évangile. Nous sommes obligés de mettre de côté pour nous être capable de rendre témoignage pour mettre moyen. Même Jean, ou même qu'il a aujourd'hui, le Seigneur est là pour venir témoigner pour lui. Gardez, analysez et examinez la vie pour qui ça empêchait de témoigner pour mettre là. Examinez la vie pour qui péchait, qui couvrit, qui empêchait de servir mettre ça bien. Parce que c'est qu'il y a parlé là. Il dit, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous avons compris. En plus, témoignez ce qui s'est passé. Je t'ai vu même combat ensemble avec vous. Oh, alléluia. Bagay était difficile pour vous. Et quand il l'a dit, bagay a été pitié pour vous. Oh, la parole de Dieu, l'histoire de l'Église, ça nous connaît. À un certain moment, oh, dans les trois premiers siècles, chrétiens se trouvaient dans un monde qui ne comprend pas. Chrétiens ont trouvé dans un monde
que Abraham y a un témoignage qui est tout à fait anormal aux connaissances de l'époque. Est-ce que l'Église allait ensemble avec moi? Est-ce que l'Église allait ensemble avec moi? Que Dieu nous est au monde, parce que il y a pas un témoignage, il y a pas des principes de vie qui sont tout à fait différents de la culture gréco-romaine. Au moment même que dans la société, vous êtes maître, vous êtes esclave, eh bien, dans l'Église, est-ce que l'Église est là? Dans l'Église, eh bien, en pile fois, où il est, ouais, des fois, bon Dieu fait ces esclaves qui ont des noms de direction. L'Église, bon Dieu, ben, nous a à l'époque, les autorités romaines, ils ont trouvé ça à son non-sens. Ils ont trouvé ça à son affront à tout ça que eux-mêmes ont fait. Ils ont trouvé que ça à un bagage qui est anormal à tout ça que eux-mêmes ont pensé. Même chose. Si l'Église de nos jours ramassait caractère pour embrasser l'esprit du témoignage de l'évangile primitif, n'a pas saisi, ouais, j'allais mon deux coups. Insupportable par rapport à nous-mêmes. La saisie, ouais, j'en du coup, le monde est capable de tolérer nos corps. La saisie, ouais, du coup, j'en le monde a trouvé nos indignes. La parole de Dieu dit, nous, on a eu 11 ans. Eh bien, il y a des serviteurs, tellement ils ont maltraité eux. Eh bien, ils ont arrivé dans une situation où le monde n'a pas de place pour eux. L'Église m'a devenu un soya. Oh, l'histoire de l'Église, devenez-nous. Oh, pour l'époque, quand il y a persécuté la doctrine chrétienne, et un gros philosophe, il y a tiré les sels. Eh bien, philosophe, ça, il campait pour le faire connaître que la doctrine chrétienne, c'est bagaille monde fourrier. La doctrine chrétienne, son bagaille magique, son bagaille sorcellerie. Il y a un serviteur qui campait. Alléluia. Oh, en plus des hommes, obligés pour y aller là, il y a plein de défense. Non seulement du point de vue physique, mais aussi, il y a fait notre défense du point de vue intellectuel. C'est bien dommage de nos jours. C'est bien dommage de nos jours. Nous n'avons pas qu'être nous. La défense de la foi chrétienne va être réussie. C'est bien dommage quand le brillant intellectuel chrétien devient défendre la foi chrétienne va être réussie encore. Mais, même Jean Toula, à l'époque, quand on a persécuté le christianisme, eh bien, des hommes comme Origène, des hommes comme Irénée, que c'est ça, ils ont campé. Des hommes comme Tertullien, ils ont campé, ils ont présenté des thèses pour défendre la foi chrétienne. Et c'est ça fait, à l'époque de l'histoire chrétienne, vous allez parler de certains hommes qui ont révélé des apologistes. Eh bien, il y a une qui c'est Tertullien qui campait, qui dit, vous pouvez nous tourmenter, vous pouvez nous torturer, vous pouvez nous affliger, mais votre cruauté fait montre notre justice. Est-ce que nous sommes avec moi? Votre cruauté fait preuve que nous sommes sous le sang. Et il dit, le sang des chrétiens est une fée semence. Plus on nous abat, plus peu de plaies de la relève. A savoir que l'Église a, plus il y a tout le monde pour la foi chrétienne, plus il y a mal que le monde pour la foi chrétienne. C'est comme ça, on peut le monde a dit, ah non, si on pile le monde, capable d'accord, puis on mourit pour un bagaille comme ça, c'est que bagaille ça, son bagaille, c'est mieux. Est-ce que nous allons ensemble avec moi? C'est ça que fait, ou même que le Seigneur choisit pour témoigner pour lui, c'est vous-même qui vous validez témoignage joie. C'est vous-même qui vous montrez que témoignage joie a une valeur. Dans mon problème, ça, témoignage là en lui-même, ils sont bagages qui chargent valeur. Témoignage là en lui-même, ils sont bagages qui coûtent cher. Mais, ou même, en tant que témoin, leur témoigner, c'est vous-même dans la vie, c'est vous-même dans l'intérêt où, quand vous faites comprendre, vous en faites un bagage sérieux. Est-ce que là, ça m'a fait pas? Vous pouvez nous tourmenter, vous pouvez nous affliger, vous pouvez nous torturer. Mais le sang des chrétiens est une semence. Même j'aime tout ça. Eh bien, en pile de ciel, je te admets que je t'ai surpris. Je te admets que je t'ai perdu propre la vie pour témoigner de l'évangile là. Et eux-mêmes, je dis, combien de monde qu'il a qui prêt pour mourir pour le témoignage? Amen. Pas besoin, amen. Levez-moi. Levez-moi pour moi. Pour moi, est-ce que maintenant il y a des témoins toujours? Levez-moi pour moi, est-ce que maintenant il y a des témoins toujours? Quand même on dit prêt, oh alléluia, même s'il faut mourir, oh pour le témoignage de la foi pour le père, oh on garde tout ça, comme il s'habite, je suis d'accord que j'étais crucifié, comme il s'habite, je suis d'accord que j'étais battu, comme il s'habite, je suis d'accord que j'étais fond avec épée. Je n'ai pas d'accord que j'étais père, je n'ai pas d'accord que j'étais dans un handicap, je n'ai pas d'accord pour pécher, qui empêche de prêcher l'évangile, ou même, pour qu'ils ont dit de pécher, empêcher de prêcher l'évangile. Pour qu'ils ont dit de pécher, embrasser vivre, pour que vous ne pouvez pas lever les yeux pour garder même là.
En plus, le frère, il a oublié, ou a chanté, pour un moins, Jean Ouem là, sa force et son soutien. Chaque jour, son seul cantique. Pour qui ça? Parce que c'est le péché qu'on fait. Chaque jour, c'est un seul cantique. Pour qui ça? Parce que la vie n'est pas claire. Chaque jour, c'est un seul cantique. Pour qui ça? Parce qu'on n'est pas clair. Ou qui sait pas qu'il y a des bagages à faire témoignage là dans la mer. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Témoignez-le là. Et à tout moment, le Seigneur est capable de prendre l'Église, va prendre un exemple devant Apôtre Paul. Malgré tout privilège qu'il te gagne, il était d'accord de renoncer avec nous, puisque je t'ai présenté comme une entrave pour pousser. Il était d'accord de mettre de côté pour te servir de témoin. Ou même, alors c'est l'école qu'on va présenter comme une entrave pour. On prend tout le temps pour l'apprendre. Ou à l'école, ou à l'encontre, ou pas en Dieu pour servir mon Dieu. Le Seigneur là l'apprendre. Le Seigneur là qui est de ce point. Parce qu'il y a des hommes qui abandonnent, il y a des hommes qui contentent seulement à l'école là. Après ça, restant pour le capable de servir mon Dieu. Des mondes qui vont donner seulement à nos seuls groupes, après ça, reste là pour servir mon Dieu. Mais vous-même, vous comprenez tout le temps pour régler les affaires. Vous ne pouvez pas vous dire quel temps. Mais chez mon Dieu là, la regardez. Songez bien. Songez bien. Je t'ai crucifié. Je t'ai assassiné. Je t'ai tué. Mais c'est d'accord ça. Parce que mon Dieu était vrai ça. Pour être capable de délivrer moi-même avec moi, ma péché. Mais, pas là comme ça. Et pas trop longtemps vivé. La paresse comme étant le roi des rois, la paresse comme étant le Seigneur des Seigneurs, la paresse comme étant le juge, les sages, oh alléluia, parole la vie, même ceux qui l'ont percé le verre. Ça veut dire, tout le monde qui pourrait, est-ce qu'on va s'en avec moi, devant le grand trône blanc, qui s'en va dire.